Ça a l'air d'aller, les ah, ouais. Pour aller, ça va, oui. Vous partez quand? Le matin. Où ça? Paris. Ah, c'est une belle ville, hein. Seulement, c'est grand. Hey, pour être grand, c'est grand. Le cortège n'est pas fermé. Ah. On a l'air fin planté comme ça. Elle est belle comme ça tout en blanc. Tu trouves pas, Marguerite? Elle est sûrement plus belle que sa dot. Henri s'en fiche pas mal de sa dot. Prends bien ton temps. Et puis Marguerite, elle prendra quelqu'un d'autre. Elle est bien plantée, Marguerite. Et puis elle manque pas d'espérance. Elle me plaît pas, Marguerite. Il paraîtrait que son oncle d'une bourre est sur sa faim. Tu sais qui t'a dit ça? Oh, Emilia, ils n'ont pas envie d'un porte-monnaie. Elle est un peu jeune pour lui. Vaut mieux ça que le con. Hein? Ils sont gentils. On va peut-être pas trop prêter l'oreille, quand même. Et alors, vous ne partez pas, voyons? Non, mais tant que ça. Alors, allez-y, les enfants. Il est marié! 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 Si content, mon gars, hein? Si je n'étais pas, c'est que je ne saurais pas ce que je veux. Hein? Les parents du marié? Elle est bien majeure. Les parents de la mariée? Elle est bien Mathilde. Les familles avancées? Demain matin, ils sont à Paris et après-demain matin, sur la Côte d'Azur. Les jeunes, ils sont plus comme nous. Si on allait comme ça le jour de ses noces, ça ne se serait pas fait de notre temps. C'est le modernisme, monsieur Marchais. T'es contente, madame Mier? Oui. Et toi? Je voudrais déjà être dans le train. Pourquoi? Pour ton train seul. Je serai pas seule dans le train. J'ai pris des secondes. Dites donc, monsieur Gilbert, j'ai vu mon fils hier. Il y a des cochons à partir. On tâchera d'y penser. Je me tiens à moustache le troisième rang. Derrière à gauche. Furier, je compte. Un, deux, trois. Maman, j'ai envie de faire. Je n'ai pas entendu venir. Ah, t'es pas encore habillée? Non, tu vois, je... Il chante toujours? Oui. Ils vont même pas laisser partir. J'avais tellement envie de te voir. Le Bastien, il voulait pas croire qu'on partait tout de suite. Comme ça. Et le matin? T'es pas comme les autres, tu sais. Pas dans le train. Oui. Tu nous feras une belle chambre, hein? Ah oui. Oh, il est joli ton chapeau. Je l'ai fait faire en Neuvour exprès. Oui. Pour te faire une surprise. Bon, il vaut mieux que je parte parce que sans ça le train. Tu prends pas la valise? Ah oui. C'est plus ce que je fais, moi. Si on était parti que demain matin,
Dieu que j'ai chaud. Gable à ta mère. Pour le voyage, je vous ai mis 2 douzaines de durs, un saucisson, du pâté, une omelette froide, un poulet, du fromage. Ta famille un peu de cafoté? J'ai pas eu le temps. Mais dans le train, ils auront mieux à faire qu'à manger. Ça n'empêche pas quand même. J'ai pas peur pour elle. Les billards, comment ça les tient? La femme est heureuse. Bon tard, va. J'ai fait mon premier stage d'institutrice à Nice, 220 000 habitants. C'est une ville ravissante. Et Paris? Est-ce que vous croyez qu'on aura le temps de tout voir? En une journée, ça m'étonnerait. Mais je vous conseille de visiter le musée Carnavalet. Vous y trouverez toute l'histoire de Paris, c'est le plus intéressant. Pour le reste, mon Dieu, Paris a 100 km² environ de superficie. Ça fait 10 000 hectares, ça. Tout juste, oui. Blazouin, mes enfants. Ah bon. Tâche de me trouver un compartiment vide. Dis-le aux copains. On est en seconde. Hein. Compris. Chez les Millard, on n'a jamais fait que du bien. Et comme ça, de père en fils. Henri, n'oublie pas d'aller voir les cousins Bougret. Oui. Ça fait 15 ans qu'on les a pas vus. Oui. Ils tiennent un grand café, mais tu en tires-moi un cadeau. Oh, ben tu sais, les cousins, hein. Alors, Auguste, elle est bien croisée, ta fille. Ça fait une belle paire. Et bien voilà. Voilà. On est bien tranquille ici tous les deux, hein? Tiens, là on sera peinard. Puis moi j'aime pas qu'on me prenne à rouge-poil. C'est vrai, le grand, il avait un œil qui me faisait mal. Mais t'énerve pas, c'est fini, on a levé le ciel. Tu vas pas faire une scarlatine pour un gars que tu reverras jamais de ta vie, non? T'en fais pas, je les photographie. Ah, ah, elle est chouette la marine. La fumée ne vous gêne pas, madame? On aurait mieux fait de prendre des troisièmes. Voyez pas ça, monsieur. C'est pas vrai, en troisième, c'est bourré. Rien que des matins. Vous parlez d'une compagnie. Dans un sens, il n'y a rien à regretter, alors. Parole, j'ai failli en encadrer un. Une vraie vie. Il est bagarreur. Moi, je suis le meilleur garçon du monde. Seulement, faut pas me prendre un rouge-poing. T'as pas faim? Oh, non. Moi non plus. Bagarreur. Bagarreur, c'est vite dit. L'année dernière, à Brest, dans le bistrot. Qui c'est qui avait raison? J'en sais rien, j'ai pas vu le début. J'ai vu que la fin à l'hôpital. Henri, regarde comme c'est beau. Oui, c'est beau. Tu le sais très bien, quand on ne cherche pas, je dis rien. Oh. Tiens, c'est comme l'autre fois. Le gars qui me dit boucle là, on entend quoi? Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Bah... Ah!
Alors, monsieur, dame, au plaisir. Au plaisir, il n'a pas été pour nous, le plaisir. Il y a du monde. Pour ces messieurs, dames, ce sera... Je prendrais bien une tasse de chocolat. Un chocolat. Pour vous, monsieur? Ben, moi... J'ai du bon cidre. C'est ça. Donnez-moi un verre de cidre. Des croissants? Oui. Ah oui, un croissant, puis du pain. Un petit pain? Ben, ce qu'il faut, quoi. Oui. Tu ne mangerais pas un œuf dur, toi? Oh non, pas ici. Oh, ben, je vais en manger un. C'est joli, Paris. Pas si joli que toi, quand même. T'es pas un peu fatigué, toi? Non, pourquoi? Parce que... on pourrait aller se reposer un peu. Hein? Ça nous ferait du bien. Et il est encore tôt, tu sais. On verra pas Paris. On pourrait quand même aller au musée. Qu'elle nous a dit, l'institutrice. Hein? Un musée, c'est pas comme nous. Bon, ben on va y aller. Ça te fait plaisir. Ah hein? Oui. Bon, on va aller à la gare de Lyon. On va retenir nos deux places. Et puis, on laissera la valise à la consigne. Hein? T'es pas fatigué, toi, au moins? Non, non, ça va. Je m'attraperai dans le temps, ce soir. T'es gentil, tu fais envie. Vous m'en mettrez un quart si vous en reste. Le paquet, vous le laissez? Si c'est pas plus cher. Non, alors, autant en profiter. Hein? Oui. Dites donc, ça sent bon. C'est un casse-croûte. Ah, vous donnez pas la peine, je pourrais vous donner le détail. 20 ans que je suis employé à la consigne, alors. Hein? Moi, un coup de pif et je devine tout ce qu'il y a dans les valises. Ah, j'en ai vu des trucs. Je pourrais faire un roman. Ah oui. Mais ça, c'est frais, vous pouvez le laisser. Vous l'en prenez ce soir? Oui, oui, on s'en va à Nice. C'est bien 8h30 le train. Hein? Ah, il y en a deux. Ah bon? Il y en a un à 8h30 et l'autre à 10h01. Ah, oui. Celui de 10h01, c'est que première seconde. Ah ben c'est bien ça, le nôtre est à 8h30. Bon, on a juste 12 heures pour visiter Paris. On va commencer par le haut, allez. Allez, au revoir. Servi? Deux billets pour la tour Eiffel, s'il vous plaît. Quel étage? T'as pas peur? C'est comme un avion. T'es jamais monté en avion? Non, mais Victor m'a dit que c'était comme un ascenseur. Paris, 125 francs seulement. Madame, 125 francs seulement. On n'aura jamais le temps de voir tout ça. C'est 20 francs, monsieur. Ah ben, ça fait rien. Je vois bien assez comme ça, allez. Ah bon. Levez! Levez-les!
Dis-leur bonjour. Tu vois, Paris, au fond, c'est pas si grand. Excuse me. Parlez berger, please. Parlez berger, on sait pas où c'est. On n'est pas d'ici non plus. I'm very sorry. Mais nous aussi touristes, hein. Première fois à Paris. Nous, Normands. Normands. Ouais, Normandie. En face de l'Angleterre. Oh yes, Deauville. Yes, c'est ça. Oh, we go to Deauville next week. Hein? Yes, c'est ça. I hope I see you there. Oui, oui, oui. Yes. Bye. Bye. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, il croit qu'on est de Deauville. J'ai pas dit non, ça aurait été trop long. Ils m'ont donné soif, moi, tous ces guides. Oh, mais tu boiras sur les grands boulevards? Sur les grands boulevards, mais c'est qu'il faut encore y aller là-bas. Oh, allez bien. Oh. Pour aller au Grand Boulevard, s'il vous plaît. Quelle station? Ah, ça c'est pas. Si vous savez pas, consultez le plan. Ah bon? Pas mieux de remonter. Oh non, non, elle est trop mal à descendre. Monsieur, monsieur, pour le plan, vous pourriez pas donner un coup de main? Hein? Vous montez toujours. On verra ça dans le wagon. Ah. Venez-vous? Sur les grands boulevards. Vous vous êtes trompé de direction, c'est dans l'autre sens. Oh, tu vois, on aurait bien fait de remonter. Bon, ben, y a quelque chose. Je la connais, la ligne. Je la fais 4 fois par jour depuis 5 ans. Il sans arrêt au mur Sébastopol et il descend en République. La République, c'est les grands boulevards, non? C'est les grands boulevards qui ont vu. Pour moi, les grands boulevards, c'est de la Madeleine à l'Opéra. Je trouve que tu changes pas pour samedi. Logiquement, les grands boulevards dirigent le lieu de Rouen. Parce que là, que l'on aille sur la droite ou que l'on aille sur la gauche, c'est toujours les grands boulevards. Merci bien, monsieur Dame. Alors, où est-ce qu'on descend? Hein? Allez, on va. Bien, mais bien, voyons. À la prochaine, TPP. À la prochaine station. Vous voyez? C'est classique. Ah bon? Merci bien, monsieur. Il n'en passe pas tous les jours des métros. Quand on est pressé, on prend un taxi. Je vais descendre. Laissez-moi passer, mon.
Poussez-vous de là pour que je descende. Vous voulez où j'aille? Ah, mais il n'y a rien à faire pour que je passe. Mais, hein. mais ça, madame Limon. Ah, mais il m'a fait du cerf. Oh, je suis là, alors. Vous n'êtes pas là? Pardon, monsieur. Vous n'auriez pas vu ma femme? Elle devrait être là, elle était dans le métro juste avant celui-là. Et comment elle est, cette dame? Elle a un chapeau avec des raisins verts dessus. Des raisins? Oui. Ah non, j'ai pas vu ça. Oh, c'est pas possible, elle devait m'attendre là. Bon, ça, vous savez, avec les femmes, tous les jours, j'en vois qui attendent ici pendant des heures. Pas les femmes, hein, des pauvres boucs. À quelle heure vous aviez rendez-vous? On n'avait pas rendez-vous, on s'est perdu au truc là, automatique. Alors, elle devait m'attendre à la station suivante, c'est classique, ça. Ah non, ce qui est classique, c'est qu'elle revienne à la station où vous êtes perdu. Elle vous attend sûrement là-bas, justement notre rame. Vite sur notre quai. Oui. Ben voyons. Merci. Un billet. Pardon, monsieur Lave, pardon. Je viens de l'autre côté, moi. Oui, ça va vous fatiguer pas. Vous n'avez pas d'autre? Ben non. Eh ben, allez en chercher un là-haut. Autrement, vous passez pas. Oh, alors, c'est pour rien. Alors. Mais faites attention, monsieur. Oh, pas idée. Et votre billet? Il est cinglé, celui-là. C'est ma femme. Ah, excusez-moi, monsieur. Pardon, monsieur. Monsieur. Je vous demande pardon si je vous dérange, mais c'est à cause de ma femme. On s'est perdu à votre station, là, au portillon. Alors je viens voir si vous ne pourriez pas la retrouver. Elle a un chapeau avec des raisins verts dessus, et puis une... Allô? Allô? Non, il est parti par le 115. C'est pas bien grave, vous savez. Vous la retrouverez ce soir chez vous, votre femme. Non, on n'est pas de Paris, on est de passage. Vous ne pourriez pas... Allô? De rien. Mais vous êtes bien descendu quelque part à Paris. Ah, nous, on n'est pas descendu, on est arrivé ce matin, puis on doit prendre le train ce soir. Et alors, vous la retrouverez au train. Mais c'est vrai. Je la retrouverai à la cantine. Encore. Mais je la retrouverai forcément à la cantine, puisqu'elle sait qu'on doit prendre la valise. Bon, c'est drôle, on pense pas à tout. On allait sur les grands boulevards. Hein. Puis votre saloperie de portillon, là. Mais j'y pense. Elle m'attend peut-être sur les boulevards. C'est possible. Ouais. Elle doit m'attendre là-bas. Je vais y aller, j'y vais. Oui. Merci bien, monsieur. Merci. Et puis si je ne la retrouve pas sur les grands boulevards, je la retrouverai sur moi à la consigne. Entendu. Bonne chance. Ah ben, vous en faites pas, maintenant ça va. Au revoir. Ça ne s'est pas fait en un jour, ni en un mois. Hein? Ça vous fait 6-7 fois. Ça, ce sont des quatrillons, ça, des quatrillons. Ce sont des trillons, ça. Ce sont des milliards. Ah, dis donc, vise le chapeau de l'amour. Comment il est son chapeau? Il y a des raisins verts dessus? Je sais pas, monsieur, je l'ai pas bien vu. Il y a rien qui est deux.
Merci, monsieur. Adieu, Toto, ça va, oui? Ah bon, mais toi? Ça va, merci. Dites donc, j'ai pas de conseil à vous donner, mais moi, à votre place, j'irai sur le quai. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Et puisqu'elle est sur le quai... Mais elle vient venir ici, elle savait bien qu'on avait la valise à prendre. Elle était en retard, comme toutes les femmes, elle est allée au train directement. Vous croyez? Ben bien sûr, et puis quoi, si elle vient ici, ben je vous l'envoie. Bon, j'y vais, merci. Oui. Elle a un chapeau avec des raisins verts dessus, hein? Oh, oh, non. Je reviens tout de suite avec ma femme. Mais certainement, monsieur, avec plaisir. Merci. Le train, faut pas vous en faire, regardez un autre qui part dans 1h30, à 10h01. Alors, vous n'avez pas pris le train? Vous n'étiez pas sur le quai. Bah ça alors, c'est formidable. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Écoutez, moi, j'ai pas de conseil à vous donner, mais à votre place, j'irai tout de suite au commissariat. Commissariat? Bah oui, avec tout ce qui arrive maintenant, il n'y a qu'à lire les journaux. Vous croyez qu'il soit arrivé quelque chose? Non, j'ai pas dit ça, puis il faut pas non plus se mettre des idées en tête, mais au commissariat, ils sont là pour ça. Oh. Et ils ont envie de retrouver le chinois comme ils sont. Vous voyez? Mais bien sûr. D'accord, oui. Au revoir. Allez, au revoir. Je ne peux pas avoir ma carte d'identité puisqu'elle était dans mon portefeuille et qu'on m'a volé mon portefeuille. Vous n'avez pas d'autres papiers sur vous? Ben non. Alors je ne peux rien faire. Revenez avec une autre pièce d'identité, j'enregistrerai votre plainte. Je me tue à vous dire que j'habite Issoudun. Eh bien vous déposerez votre plainte à Issoudun. Mais c'est à Paris qu'on m'a volé mon portefeuille. Ben, il a le temps de courir mon voleur. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et puis on ne voyage pas avec une seule pièce d'identité sur soi. Allez, au suivant. Ah bien. Bon. Ben, si j'avais tout emporté, il ne me resterait plus rien. Ni ici, ni à Issoudun. Ben, dans un sens, j'ai eu de la chance. Oui. Ah, il y en a, je te jure. On vous a rien volé à vous, au moins. Non, non. Moi, j'ai perdu ma femme. Votre pièce d'identité. Oui. Mais elle est périmée, cette carte. Hein? Chez nous, elle est encore bonne. Mais non, mais non, il faudra la faire renouveler. Alors, expliquez-nous ça. Ah, ben voilà. On s'est perdu dans le métro, au portillon automatique. Alors, je me suis dit, je la trouvais à la consigne. Parce qu'il faut que je vous dise, on allait sur les grands boulevards. Alors, je l'attends à la consigne, parce qu'on va à Nice, hein. Regardez, on est en voyage de noces. Elle vient pas. Je l'attends en train, elle vient pas non plus. Vous voyez ça de là? Alors, le gars de la consigne me dit, il n'y a qu'une chose à faire. C'est d'aller au commissariat... Ces messieurs vous la trouveront forcément. Alors, si vous pouviez faire vite, on pourrait prendre le train de 10 heures. Mais il n'y a pas de troisième, on perd un supplément. Hein? La première fois que vous venez à Paris, vous? Non, je suis déjà venu en 1919, avec mes parents, à l'exposition agricole. Ouais. Vous savez combien il y a de gens qui disparaissent à Paris chaque jour? Non. En moyenne 100, ça fait 3 000 par mois. Dans la pratique, on compte 40 000 par an, ça vous dit rien? Ça vous en fait des recherches, ça, hein? J'ai encore les retrouver. Alors, on trouve combien? Sur 100? Sur 100, on en trouve tout de suite 10 dans les hôpitaux. Les accidents de la voie publique? Faut compter aussi une bonne dizaine de suicidés, ça fait 20. Ah, et encore, cela, on ne les retrouve pas toujours.
qu'on en repêche de temps à autre dans la Seine. Dans la Seine, d'ailleurs, il n'y a pas que les suicidés. Sur les 80 qui restent, il y a les fugues. 15 jours l'un dans l'autre, hein? Ah, oui. Quant aux 60 autres, on n'en entend plus jamais parler. Envolé, volatilisé, disparu. Tiens, regarde, c'est ce que je te disais. Tout ça pour dire que c'est pas si commode qu'on croit. Ok, il y a des chances que votre femme soit parmi les 40 qu'on retrouve. Faut pas vous frapper. Ah, bon, voyons. Nom, milliard, prénom. Jeanne. Non, je le sais. Désormais. Née le. Elle a 19 ans. Non, sa date de naissance. Son anniversaire, c'est le. Mais ça ne fait rien, pas son signalement. Taille. Allez, go. Ouais, on est 65. Oui, par là. Cheveux. Blond. Oui. Yeux. Plutôt bleu. Quelquefois un peu vert. Bleu, vert. Pas de signe particulier? Hum? Non, elle n'a rien de spécial sur le visage ou ailleurs? Non. Si, elle a un chapeau avec des raisins verts dessus. Signe particulier, néant. À quelle station l'avez-vous perdu? À Strasbourg-Saint-Denis. Quelle heure? Entre 6h15, 6h20. Et bon. Où peut-on vous prévenir? Hein? Je reste là, moi. Ah, ça, c'est pas possible. De toute façon, ça ne servira à rien. On ne saura rien de nouveau avant demain matin à 9h. Vous ne la cherchez pas tout de suite? Tout de suite, tout de suite. Il faut que ça suive la filière. Vous allez pas la laisser seule dans Paris toute la nuit? Je sais même pas si elle a de l'argent sur elle. Ça, mon vieux, on n'y peut rien. Revenez demain matin à 9h, on aura peut-être des nouvelles à ce moment-là. Et on vous salue. Ah oui, c'est marrant. Je viens du commissariat. Vous êtes pas là? Voilà, madame. Une valise? Non, non, non. Il est pas là, votre gars? Qui ça? Le grand, là. Ah, il vient de partir. C'est moi qui le remplaçais. Pourquoi? Pour rien. Je voulais lui dire quelque chose. Ah, il sera là demain matin. Il y a une commission à faire? Non, non, non. C'est pas là. Ça va pas? Ah, c'est bien vous qui cherchiez votre femme cet après-midi. Oui, c'est moi. Pourquoi vous l'avez vue? Non, j'ai vu personne. Mais qu'est-ce que c'est que ces façons d'escarter le matériel? Vous savez combien ça vaut un portillon? 500 000 francs. Et de plus, vous êtes passible d'une amende. C'est dans le règlement. Vous savez pas que ça va aller si cher? Oui, ça va pour cette fois-ci. Mais ne recommencez pas des plaisanteries dans ce bout-là, hein? Idiot. Comment ça, si je veux? Voilà, 25 et 4, 80, 125, ça fait 125 francs. On vous a pas appris? Oh, ça fait rien. On a encore soif, remettez-nous ça. Écoutez, si vous avez soif, allez donc chez Dupont, ils ont de la bonne bière à la pression. Ça fait 125, hein? Je reviens. Ça fait 90. Vous fermez déjà? Oui, le patron mal aux dents. Et 10 cents, merci monsieur. Garçon, ce sera 3 demi quand même. Alors, 3 demi, bien tiré, en vitesse. Putain, Arthur, faudrait pas se gérer, hein? Mais des clients à la porte comme ça, c'est pas le genre de la maison. Moi, je sais pas, patron, de toute façon, ils allaient partir. Et puis moi, ça risque de me faire rater mon escrin, ils comptent sur moi pour l'autre. Mais moi, je m'en fous de votre presse vieille. Mais vous auriez fait pas de rester, vous faites pas mal, laissez-moi aller gagner ma vieille. Je fais pas mal parce que je suis vendéen. Mon arrière-grand-père était chouan. Je le fais pas, moi, le 14 juillet. Chacun de ses opinions, patron, je discute pas ça. Allez, on va encore un. Bonjour. Bonjour. Vous n'auriez pas vu ma femme? Votre femme? Je ne connais pas, monsieur. Vous ne me remettez pas? On était là ce matin. Ah oui, c'était vous le casse-croûte, là, oui? Oui, c'est ça. Non, ben, je ne l'ai pas revu depuis ce matin, votre femme. Hein? 14 juillet. Vous trouvez ça drôle, vous, le 14 juillet? Oh, non, Ah! À la bonne heure!
Qu'est-ce que vous prenez, mon vieux? C'est ma tournée. Un demi? Ça m'est égal, un verre de cidre. Il est mon truc. Et vous, vous attendez votre femme? Je l'attends sans l'attendre. Je l'ai perdue. Quoi? Oui, dans le métro, au portier automatique. On aurait mieux fait de remonter. Vous blaguez, non? Non. À l'heure qu'il est, on devrait être dans le train de Nice. Et puis, nous voilà. Et puis, elle, où elle est? C'est sérieux? Je pense bien. Au commissariat, ils m'ont dit de revenir demain. Garçon, celle-là, elle est bonne, hein? On revient. Voilà. Ah, merci. À la vôtre. Pardon? Voilà. Excusez-moi. Et piquer son CD. Vous veniez d'où comme ça tous les deux? De Thibouville. De Thibouville? Mmh. Ma femme elle est d'un cours, dis donc. C'est rigolo ça? Oui, c'est rigolo. Tu connais la ferme des quatre vents là à la sortie du cours? Oui, je connais. Ben, c'est mon nom. Pas l'oncle de ma femme, parce que moi je suis de Lisieux. C'est rigolo. Dis donc, je pense à quelque chose. Mmh. T'as une photo de ta femme? Ah oui. Cherche-la. La voilà, la photo. Ah, oh, bah oui, ça me met bien maintenant. Elle est jolie, hein. T'es pas mal non plus, toi. Tu prends bien en photo, hein. Mais elle est toute jeune. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Depuis hier. Oh, bah mon pauvre vieux, tu parles d'une nuit de noces. Arthur, je monte, vous fermerez. Entendu, patron? Bonne nuit. Oui, si on peut dormir. 14 juillet. Il est royaliste. Remarque, moi, ça me gêne pas, seulement il est sectaire. On a le droit de penser ce qu'on veut, seulement faut pas être sectaire, c'est pas de mon avis. Ah oui, il faut pas être sectaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ma femme? À ta femme? Oui. Donne-moi la photo. Jamais là, je me change pas, je vais à côté pour mon estrade, place de Rennes chez Dupont. Ça va boumer cette nuit. Il y aura un de ces populos sur la place, là. On a de la veine, on a l'orchestre de la radio. Dans la gare, avec des baguettes et tout, ça va défiler jusqu'à 5h du matin. Moi, je me fais 10 chèques facilement. Allez, viens, on s'en va. T'as pour payer, toi? Ah non, comment ça fait? Ainsi, 30 francs. Dis, la photo, tu la gardes avec toi? Bien sûr, je vais la faire passer partout. Tous les garçons du quartier, c'est des copains. Alors, je vais dire que c'est la cousine. Et si elle passe dans le quartier, ta femme, elle sera vite repérée, crois-moi. Ah. On me l'enverra chez Dupont, je la garde là. T'auras qu'à venir la chercher quand tu voudras. C'est quoi? Bah, pourquoi pas? On l'a vu plus fort que ça. Oui, tu sais, elle a un chapeau avec des raisins verts dessus, hein. Celui qu'elle a sur la photo, là. Oui, mais il n'y a pas la couleur. Oui, d'accord, je leur dirai. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, je sais pas, je vais marcher un peu. Tu vas pas rester toute la nuit avec ta valise? T'as pas des parents à Paris? Non, j'ai des cousins. Ah si, j'ai des cousins à rue de la Brevoie. Où c'est rue de la Brevoie? Ça, j'en sais rien, tu demanderas au métro. Ah, ben non, pas au métro, merci. Vous voyez-tu pas qu'on est couché? Où va-moi? C'est Henri! Je suis Henri, Pierre, Paul ou Jean, que c'est le même Thomas! On est couché! On est couché! Écoutez-moi donc, c'est votre cousin, Henri! Oh. Henri Millard, de Thibouville! Qu'est-ce que vous dites? Je suis venu pour vous donner le bonjour! Oh, dis donc, François! C'est Henri, c'est Ernest! Bouge pas, mon petit gars, on descend. Bouge pas. Oh, oh, bah, oh. Alors, c'est un vrai miracle. Oh, bah, mon bon, mais je t'aurais pas reconnu, t'as forci. Vous êtes que tous les deux? Oui, Germaine est au bal. Elle sera contente de te voir aussi. Oh, tu la connaîtras pas. Mais personne n'est venu me demander? Non, personne n'est venu, on rentre dedans. Non, non, non. Comment ça va, Isabelle? Non, non, je m'en vais. Vous êtes en bonne santé, ça va? Alors, je ne veux pas vous déranger. Au revoir. Thank you.
écrasé. Attends la fin de la danse. La fin de la danse, c'est demain matin. Allez, on fait demi-tour. Et la valise. Attention. La rue Henri Janson, s'il vous plaît. Je ne sais pas, monsieur, je ne suis pas du quartier. Ça fait une demi-heure que je tourne en rond, impossible de la trouver. Vous êtes sûr que c'est par ici? Ah oui. Mais dites-moi, vous allez loin, vous? Au Châtelet. Ben justement, je passe par là, je peux vous déposer. Ah non, merci. Pourquoi? Je ne vous connais pas. Mais le 14 juillet, tout le monde se connaît. Vous. Ça vous intéresse, vous? Non, 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 non. Vous n'avez rien pour moi? Bon, tiens, assieds-toi là, qu'est-ce que tu prends? Un verre de cidre. Bon. Voilà, 3,5, une glace, 3 pines. C'est pris ici, monsieur. Ah bon, pardon, je ne savais pas. Non mais c'est pas dans le passage avec cette valise. On ne peut déjà pas passer sans ça. Il y a une consigne en bas au téléphone. Bah oui, moi celui-là, c'est pas la fin, c'est pas perdu. Paysan, hein. Oh, alors on n'aura plus, hein. Oh non, j'ai trop mal. Mais c'est elle est bien roulée, ce con. Je la connais depuis longtemps. Tu parles. Je l'ai rencontrée rue de Rennes il y a une heure. Elle est placée chez un docteur. Elle est à Paris depuis un mois. C'est du tout cuit, ça. Très gentil pour le camp, maintenant. Je serai plus à l'aise pour l'embarquer. Mais là, allez, bonne nuit. Je vais essayer de dégoter sa sœur. Bonne chance, Toto. T'es fou, toi? Pourquoi tu t'assois pas? Diable, à ton cidre. Il est parti, votre ami? Oui, sa mère l'a appelé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Dans l'un? Monsieur. Monsieur, oui. Allez, venez. Venez. Qu'est-ce qu'il vous pense, ça va pas, non? Non, ça va pas. Et vous? Venez. Et venez donc. Vous voyez bien qu'il est sous. C'est bien pour vous faire plaisir, il a de la veine. Je pars d'un peu plus haut et ça va être comme ça jusqu'à 6 heures. Tu me dois 50 francs. Comment tu le trouves, le CD, il est meilleur que là-bas, hein? Ça, rien de nouveau pour moi. La femme, t'en fais pas, je l'ai là. Allô, garçon, et Mme Finalo? Oui, je vous l'amène, Mme Finalo, pleurez pas. T'en fais pas, je pense à toi. Et vous? Thank you.
un pas mieux fait. Mais vous n'avez rien vu, monsieur, c'est la voiture qui a dérapé, le conducteur est rond comme une boule. On pense que l'accident s'est tué, allez.
T'es pas toute seule. Ma valise. On m'a volé ma valise. Où est la valise? Où est la pêche? J'ai pas de valise. Ah, le voleur. C'est l'agent. C'est l'agent. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a volé ma valise, là. Où ça, là? Là, sur le banc, pendant que je dormais. Sur un banc? Mais d'abord, c'est pas fait pour dormir, un banc. Vous avez vos papiers? Qu'est-ce que ça a à voir, mes papiers? On m'a volé ma valise, je suis pas le voleur. Allez, viens avec nous. Bah, laissez-moi, le voleur. Allez, fais pas le zibeto, hein, ça pourrait mal tourner. Rien, laissez-moi, c'est pas mal. Voilà, c'est juste, c'est juste, on m'a volé ma valise. C'était bien la peine d'ouvrir à 6h30, un 14 juillet. Pour le monde qu'il y a. Tu aurais pu dormir une heure ou deux, mais non, il a fallu qu'on ouvre à 6h30. Ça fait 23 ans que je joue pas 6h30. 14 juillet ou pas 14 juillet, je joue pas 6h30. C'est pour ceux qui sont pas contents, la porte est ouverte. Si c'est pour moi que vous dites ça, faudrait répéter deux fois. Moi, je suis un vieux travailleur. Moi, j'ai toujours été à l'heure. Ça va aller. Neuf. Je sors de commissariat. T'as du nouveau pour ta femme? C'était pas pour ma femme, c'était pour ma valise. Sans blague, t'as aussi paumé ta valise. Oui. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est le grand principe. C'est la base, faut pas y toucher. Il est complètement schlaff, celui-là. Il était chez Dupont, j'ai pas pu m'en débarrasser. Arthur, les chaises. Le 7h50 va arriver. Oui, j'y vais, patron. Et je me permets de vous le dire, vous êtes sectaire. Qu'est-ce que vous prenez? Un calvados. Un calvados. L'heure, c'est sacré. Ma femme n'a jamais voulu le comprendre, je l'ai liquidé. Encore un. Ah, ça réveille, hein. Ah, je vais en prendre un, moi aussi. Combien ça fait? Ça fait 80. Oui, allez, c'est l'heure. Au revoir, messieurs, dames. Il croit que c'est la sortie. C'est la troisième fois qu'il essaie de s'en aller. Il va bien comme lui, donc ça se pense à plus rien. Tu t'en vas déjà? Tu l'as pas donné la photo? Non, je vais m'en occuper aujourd'hui. Tu parles cette nuit, il n'y avait pas de quoi s'amuser. Puis, c'est simple, je suis brisé. Allez, rends-la-moi, ça pue la peine. Non, mais puisque je te dis... Rends-la-moi, je te dis. Allez. Ah bon, bon, maintenant, la photo. Ouais, tous les mêmes, quoi, bavard et compagnie. Ah, pour parler, vous êtes fort, mais pour prêter la main, il n'y a plus personne. Chez nous, on cause moins, mais on rend service. Oh, merde, c'est tout de même pas ma faute s'il a perdu sa femme. Naturellement. Tu as perdu ton bulletin. Regarde dans le ruban de ton chapeau. Tu as raison, Charlotte. Mais ce n'est pas mon chapeau. Quoi? On me l'a chaugé au restaurant. Imbécile. Hé, là-bas! Non, pas vous! Hé! Hé, hey, vous alors! Vous l'avez retrouvé? C'est un type qui a perdu sa femme hier dans le métro. Il l'a pas retrouvé. Quel vénant! Pleure pas, mon coco, pleure pas, là. T'es pas envie de te chercher, t'es trop pas là. Maman. Elle s'arrêtera pas. Il y a une heure qu'ils l'ont perdue, ils n'ont pas idée de venir la chercher ici. Ah, il y a des coups de pied là. J'espère, je te jure. Où êtes-vous? On m'avait dit de revenir ce matin à 9h. Ah oui, c'est pourquoi? C'est pour ma femme. Ah oui, c'est la fugue. Votre femme vous a perdu dans le métro. Elle m'a pas perdu, c'est de la faute de Portillon. Oui, si vous voulez. Ben non, on n'a rien de nouveau. T'as rien vu, toi, dans les plis pour les hôpitaux? Quel nom, déjà? Via. Via? Oui. Non, à ce moment-là, je m'en souviendrai. Remarquez que s'il lui est arrivé quelque chose, les premiers prévenus, c'est pas nous, hein, c'est le domicile. Alors, il serait prévenu à Thibauville? Pas forcément, si c'est l'adresse portée sur sa carte d'identité. Il se peut aussi qu'elle ait repris le train et qu'elle soit là-bas. Vous croyez? Au téléphone. Quoi? Votre fille au téléphone. Mon Dieu, pourvu qu'ils ne soient pas arrivés à malheur. C'est Ernest! Quoi? C'est Henri qui téléphone. D'où ça qui téléphone? De Paris. Dépêchez-vous, il attend au bout de la ligne. Roudin, rends le cheval. De Paris? Mais pour Dieu, qu'est-ce qu'il faut encore à Paris? Henri! Henri! Hé, voyons!
Mathilde! Mathilde! Les enfants qui téléphonent! C'est grand, hein? On n'a pas eu le temps de tout voir. Ah oui, on s'amuse bien. Bon, je vous dis au revoir. Hein. Oui, on part ce soir. Oui, elle va bien. Elle vous embrasse. Je vais y causer aussi. Passe-le-moi. Coupe pas! Je te passe ta mère! Allô? Allô? Henri! Eh ben, vous nous en faites faire du mauvais sang. Vous êtes contents tous les deux? Bon. Et les cousins? Vous les avez vus? Oui, on y était. Ah oui, ils étaient étonnés. Ah non, ils ne nous ont pas fait de cadeau. Passe-moi Jeannette, je veux y dire un mot. Oui. Jeannette? Elle est à côté. Fais sa toilette. Ah, sa mère est là. Bon, je l'appelle. Jeannette! Il l'appelle. Jeannette! Il y a Jeannette qui veut te parler. Tu peux pas venir? Elle peut pas venir. Pourquoi? Ah, tu te lèves en grand? Elle te lève en grand. Bon, ben alors, au revoir. Elle vous embrasse. Il fait chaud. Aïe! Il a coupé. Non, passe-moi ça. Allô. J'entends plus rien. Mais c'est pas possible. Allô. Jeannette. Mais il n'y a personne. Tiens, vas-y, Auguste. Oui. Ah bon? Elle a dit terminer Paris. Alors, qu'est-ce que je fais? Raccrochez, la communication est terminée. Voilà. Elle aurait tout de même pu venir nous parler. Allons, Mathilde, vous comprenez pas. Elle était trop fatiguée pour se lever, cette petite. Je connais, moi, le grand. Ah, fini avec tes bêtises, toi. Merci bien, madame Pignon. Ça a quand même dû leur coûter cher. Au 14 juillet, le tarif est le double. Sacré gars, c'est son père tout craché. Je me sens 30 ans aujourd'hui. Profitez-en, ma Jeanne, c'est jour de fête. Grand Pignon. Elle pouvait quand même nous dire un mot. Faut penser que le tarif est le double. Monsieur Duvernet, Mme Duvernet, j'en ai ton téléphone. Allô, c'est toi, Jeannette. Oh, ça fait bien plaisir de t'entendre. Oh, ton père et moi, t'es pas content que tu sois pas venu au téléphone. T'es bien sèche, au moins. Prends pas froid. Quoi? Des nouvelles? Ben, tout le monde va bien. Ah, si, il y a le père Machico qui s'est cassé la jambe hier soir en dansant. Il a voulu faire le jeune homme, tu penses, à son âge. Eh ben, ma petite fille, je suis bien aise d'avoir entendu. Henri nous a dit que vous vous amusiez bien à Paris. C'est le principal. Non, passez-moi, Henri, j'ai quelque chose à lui dire. Allô, Jeannette. Viens, Henri, que son père veut y causer. Oh, ben, attendez, je vais dire bonjour. Quoi? Il est déjà sorti? Il est déjà sorti. Pensez-la-moi. Allô, bonjour, tu es Jeannette. Pas trop fatigué? Ne laisse pas faire, surtout, hein? Dis-nous à Henri qui passe chez Villemarin pour les semences. Oui, il est au courant. Allez, au revoir, les enfants. Bon voyage. Profitez-en, hein? Attends. Je te passe ton père. Allô? On a coupé, Auguste. Oh. J'aurais bien dit un mot. Oh, ben, t'es pas raisonnable. Ils ont été déjà obligés de téléphoner deux fois. Ça risque double.
À Thibauville, ils n'ont toujours pas de nouvelles. Hein, quoi? Ah oui, ils n'ont pas de nouvelles? Non. Ben, il faut attendre, il n'y a plus que ça à faire. Attendre quoi? Attendre 48 heures. Mais pourquoi? Hier, vous m'avez dit de venir ce matin à 9h, maintenant vous me dites 48 heures. On attend toujours 48 heures. Des fois, les gens reviennent, c'est courant. Mais c'est pas une fugue. Et puis, elle peut pas revenir, puisqu'elle sait pas où je suis. Elle peut toujours revenir à votre hôtel. Mais il n'y a pas d'hôtel, puisqu'on est de passage. Ah, vous avez bien dormi quelque part cette nuit. Oui, j'ai dormi sur un banc, même qu'on m'a volé ma valise. Mais ça, c'est pas votre affaire, c'est un autre commissariat qui s'en occupe. Bon, je comprends rien à ce que vous racontez. Résumons. Si dans 48 heures, vous n'avez toujours rien, vous irez au service du quai de Gèvres. Là, ils font le nécessaire. Oui. D'ailleurs, entre-temps, ils peuvent avoir des nouvelles là-bas, chez vous. Vous leur avez dit. Non, j'ai rien dit. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quand on perd sa femme au rayon de jeunesse, on n'a pas envie de crier sur les toits. 48 heures. Et la nuit que j'ai passé seul, c'est moi qui l'ai passé, c'est pas vous, non? Faut me la retrouver. Vous êtes là pour ça, vous avez compris? Faut me la retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est le gars qui a perdu sa femme. Alors, on l'a pas, sa femme? N'est-il de faire tant de bruit? Mais monsieur le commissaire, je l'ai perdu hier soir. On m'avait dit que ce matin, j'aurais des nouvelles. Alors, vous n'avez rien? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles? On pourrait appeler les derniers à 2h. Parfait. Et téléphoner à 3h. Inutile de vous déranger. Bon, pardonnez-lui le numéro de téléphone. Bonsoir, monsieur. Vous venez avec moi. Tranquille, papa, tu l'énerves, ce gosse. Mais faut qu'il fâche. Ton père a raison, sans ça, il va encore être grognon. François, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Viens voir. Viens voir, Germaine. Pas le laisser comme ça dans la rue. Faut aller le chercher. Va chercher, Germaine. Oh, pas moi, papa, j'ose pas. Vas-y, toi, François. Mais pourquoi tu vas pas, toi? Moi, j'y ferais peut-être peur, il peut se sauver. Raison de plus, s'il sauve. Tu pourras courir après, toi. Tu sais, papa, il est peut-être qu'amnésique. Il aura reçu un mauvais coup, il aura perdu la mémoire, ça arrive. Ça se pourrait. Pour moi, il s'est fâché avec son père. Hier, il s'est bien rappelé de nous. Mais maman, il a pu avoir un éclair de mémoire. Les amnésiques, c'est comme ça. Ils se souviennent et puis ils ne se souviennent plus. J'y vais. J'y vais. Fais quand même attention, François, on ne sait jamais. Il ne va pas me manger, non? Papa, si tu prenais ta canne. Et puis quoi encore? Donne-moi là. J'ai tâché d'avoir l'air naturel quand je le ramènerai. Ça va, mon gars? Ça va, doucement. Tu me remets bien? Ah oui, je vous remets bien. Il y a quelque chose pour moi? Mais t'énerve pas, t'énerve pas. T'auras ce que tu voudras, chez nous, t'es chez toi. Personne ne m'a demandé, non? Pas encore, mais ça viendra. Il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. Pour hier, je voulais vous dire, je suis parti un peu vite parce que je me sentais pas bien. Oui. C'est vrai? J'avais des machins dans les jambes. Oui. Ça me cognait dans la tête. Oh, je voulais pas vous embêter, c'est pour ça, quoi. Mais t'en fais donc pas, on y a même pas prêté attention. On s'est dit, ce garçon-là vient à Paris pour la première fois, et puis 14 juillet, et puis tout et tout, quoi. À son âge, c'est bien naturel. Une bonne nuit là-dessus, et puis t'aimes la frais comme un gardon. Oui, je suis frais. Vous alliez faire un tour? Non. Je disais ça à cause de la canne. Ah oui, 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 j'allais faire un tour, j'allais au tabac. Ah bon? Emmène le petit diable dans la cuisine, des fois que ça tourne mal. Regardez donc qui j'ai rencontré en allant au tabac. Alors, j'y ai dit, tu vas rentrer, mon gars, ça va leur faire une belle surprise. Ben, ça a bien fait. Ça nous fait une bonne surprise. Comment tu te sens, mon petit gars? Il sent bien, il sent très bien, il sent tout à fait bien. Tu vois, la Germaine,
Tu ne dis pas bonjour à ton cousin? Bonjour, Henri. Bonjour, Germain. Ça ne connaît pas. T'embrasses donc ton cousin? Oui, papa. Bon Dieu, on va boire un coup pour fêter ça. Bien long t'asseoir, mon petit. Vous avez le téléphone au moins, hein? Mais oui, mon petit gars, mais oui. Ah bon? Va juste. Bien sûr. Bon. Alors, comme ça, t'es venu faire un petit tour à Paris pour le 14 juillet. Oui, si on veut. Et ton père et ta mère, là-bas à Thibouville, tout le monde va bien? Il n'y a rien de cassé? Là-bas, oui, ça va. Et t'es ici pour combien de temps? Ah, ça, j'en sais rien. C'est moins possible. Ah, mais à présent, il faut que je téléphone. Puis il faut m'aider, hein, parce que le truc, je ne sais pas le faire tourner. Germaine, mande-y dans son numéro. Oui. C'est des amis à toi? Enfin, c'est des amis, c'est des amis. On est en rapport. Ouais. Allô? Donne-moi ça. Allô? C'est vous? Là, c'est Mia. Henri. Je vous téléphone comme convenu. Pour ce que vous savez. Mia, Henri, de Thibouville. Je suis venu hier. Je suis venu ce matin. Alors, vous ne me reconnaissez pas? Vous avez tout écrit dans votre livre. C'est ça, Mia. Quoi? Vous l'avez? Elle est bien vivante? Où ça? Redites-moi encore. Hein? Bon, j'ai compris. C'est bien vrai au moins. Hein? Bon, merci les gars, merci. Faut que je me rase. Monsieur, voilà votre valise. Ah. Madame Millard, s'il vous plaît. Voyez le bureau. Madame Millard, s'il vous plaît. Une seconde, monsieur, je finis de compter. Voilà. 3 700 francs. Vous êtes content de votre séjour, monsieur Vandenec? Très, très content. C'est une belle ville, Paris, n'est-ce pas? Très, très jolie ville, joli monument. Et jeune femme. Très, très jolie femme. Au revoir, madame. Bon voyage, monsieur Vandenec, au plaisir de vous revoir. Très, très plaisir. Au revoir, madame. Je suis à vous, monsieur. Je viens pour madame Millard. Madame Millard, elle est entrée quand, cette dame? Hier soir. Oui. Oui, elle est entrée cette nuit. Cette nuit? Enfin, c'est après minuit, quoi. C'est le gardien de nuit qui lui a fait remplir sa fiche. Le 35. Voulez-vous être assez aimable, monsieur, pour regarder au tableau si la clé du 35 y est? Oui, elle est là, la clé. Alors, elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Mais au commissariat, ils m'ont dit qu'elle était ici. Au commissariat? Enfin, à la gare de Lyon. En effet, cette dame est bien descendue ici, seulement elle est sortie. Oui, elle est partie. Ah, ça, je ne sais pas, monsieur. Mais vous pouvez lui laisser un message, on lui remettra. Un message, pour quoi faire? Je ne sais pas, moi, pour lui signaler que vous êtes passé, pour lui fixer rendez-vous, enfin, ce que vous voudrez. Oh non, non, je reste. Elle va revenir. Bah, j'espère bien, elle a pas payé sa note. Ah, bah, tant mieux. Solange, madame, le 35, à quelle heure est-elle sortie? Le 37, c'est la petite dame blonde? Oui, c'est ça. Elle a dû sortir un peu avant midi. Mais... j'ai même pas encore eu le temps de faire sa chambre. Elle a pas dit où elle allait? Non, là, elle dit. Oh. Elle a seulement demandé à repasser sa robe et je... Dépêchez-vous, mon petit, il est déjà 4h30. Ah. Je me dépêche, madame, il y a eu du passage. Mais oui, oui, je sais. Asseyez-vous, monsieur, si vous voulez attendre. Oh non, je préfère marcher. Par jour, je me demande vraiment ce qu'elle peut en faire. Bonsoir, monsieur Jérôme. Bonsoir, madame. Bien? Tout va bien, la vie est belle. À très bientôt, Jean-Madame. À très bientôt, monsieur Jérôme. Elle vous fait attendre. Oui, elle peut bien être. Elle savait que vous alliez venir. Oui, elle ne savait pas encore. Oh, bah alors, elle peut aussi bien rentrer dans 5 minutes qu'à minuit. Vous pensez à le 14 juillet? Non, je vais attendre.
Je me suis trompé, j'ai encore fait la clé du 35. Vous y êtes tout de même resté 6 mois, monsieur Hervé. Ça fait rien, quelle caboche. Vous pensez trop, monsieur Hervé. Vous pensez trop. Fait chaud, hein. Jeannette. Henri. Te voilà. Enfin. Et ton chapeau? Je sais plus, je t'ai perdu dans le métro. Ah. C'est pour ça qu'on ne s'est pas retrouvé. Je disais à tout le monde que tu avais un chapeau. Mais pourquoi tu ne m'as pas attendu à la station suivante? Je suis retournée au portillon et monsieur m'a dit que tu m'attendais sûrement là. Et moi j'étais à la station suivante. Et quand tu ne m'as pas vu au portillon? Je suis retournée à la station suivante. Et moi je suis revenue au portillon. Je vous demande pardon, monsieur dame. Est-ce que vous gardez la chambre ce soir, madame? On ne va pas rester ici. Non, nous partons tout de suite, madame. Dans ce cas, je vous demanderai de libérer la chambre le plus tôt possible. Oui, madame. Merci, madame. Comme tu ne m'as pas vu à la station, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis dit que je te retrouverais à la gare. Mais tu n'es pas venue à la gare. Tu la connais? Oui, elle habite la chambre à côté de la mienne. Elle est dans la couture. T'es pas venu à la gare? Si. J'avais été chez le coiffeur pour te faire une surprise. Et puis je suis arrivée à la gare en retard, le train était parti. Alors. C'est trop bête. Ça arrive. Ah, Timouville en avait failli là, t'es déjà. Tu te rappelles? Bon, je m'en suis voulu, tu sais. Mais après la gare, qu'est-ce que t'as fait? La gare, je suis allée au commissariat et. T'as pas été au commissariat de la gare de Lyon? Ben non, je savais pas qu'il y en avait un. Non, j'ai d'abord marché et puis j'ai demandé à un agent qui m'a envoyé à un autre commissariat pas loin d'ici. Et là, ils m'ont dit de pas m'inquiéter. Il paraît qu'il y a des tas de gens qui se perdent à Paris tous les jours, tu sais. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire avant 48 heures, alors. Je suis venue ici. Mais t'as pas pensé au cousin? Non. Et puis même, j'avais pas leur adresse. Mais qui t'a dit de venir à cet hôtel? C'est le commissariat qui me l'a indiqué. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mes vieilles chaussures. Ça, c'est un petit chemisier. Tu verras, il est très mignon. Tiens, puis ça, c'est quelque chose pour toi. Oui. Je ne pensais pas que tu avais tant d'argent avec toi. C'est papa qui m'en a donné avant de partir. Je suis contente. Il ne faut pas pleurer. C'est fini maintenant. On est ensemble. Quand je pense que je devrais téléphoner à Thibault. Merci. Vous demandez si j'étais bien séchée. J'ai pas compris. C'est vrai? Je leur avais dit que tu te l'avais en grand. Excusez-moi, mademoiselle. Il faut que je fasse la chambre. Il y a des clients qui attendent en bas. Henri, tu me fais mal. T'es toute changée, tu sais. Deux suppléments pour Nice. Alors les amoureux, tout va bien? C'est au
dit qu'elle avait perdu sa femme dans le... Nous, on s'en fout de nos valises, on est pressés. On s'en fout, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et on se plaint que tout va mal. La misère de misère. Elle nous manque bien, la famille. Ah ben, on en a trouvé une autre. Celle-là, il ne faut pas la regretter, elle a bien fait son temps. Tu penses, elle avait servi au grand-père et il l'avait acheté d'occasion encore. Et en plus, il t'emmenait au commissariat. Oui, tu vois, on aurait mieux fait de remonter du métro. Tout ça ne serait pas arrivé. Ah oui, on aurait mieux fait de remonter. Il ne faudra rien leur dire à Thibouville. Il se ferait des idées. Se perdre comme ça en voyage de noces, c'est pas bien malin quand même. Je connais qui rigolerait si on le racontait. Mais ça n'aide personne que nous. Ce sera notre secret, maman. Oui, ce sera notre secret. Marie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas aller me chercher à boire? Oui, qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi, Tu sais? Hein? Non, chérie, je me suis rasé peut-être un peu vite chez les cousins. Henri, tu vas me chercher à boire, non?